Salut à tous, donc on continue. On devait partir. Merde, putain, c'est pas par là. Putain, c'est pour une vite là. On va voir, c'est par la sortie du bas, justement. Bon, bah, excuse-moi. Petit trompage. C'est une malheureuse trompation. Alors, je vais peut-être augmenter leur. Zanza. On peut aider tout notre truc, hein, y'a pas de problème. Et y'en a. De toute façon, on va s'en refaire bientôt. Voilà. Donc. Allô, je me suis loupé le début là. Je croyais que c'était pas récupéré sortir. Là. Voilà. Et maintenant, on va devoir s'infiltrer dans le territoire ennemi. Enfin, anciennement ami. Vous allez voir que les persos qui ont un niveau de merde, ils vont vite monter. Hop, c'est un niveau chacun. Et encore là, on est que sur la carte. Hein. Vous allez voir qu'on va arriver dans une zone. Dans une vraie zone quoi. Oui, au moins c'est réaliste, hein. C'est pas ok, passé. Je parle par télépathie. Truc romantique du genre. Un espion, c'est. C'est vachement romantique. En prenant un raccourci par le bois, on peut approcher le camp sans lui. Voilà. Donc on va passer par le bois. Alors je vous avoue que le bois je le connais pas du tout par cœur. Ce qui semble un peu normal d'ailleurs. Ce que je voulais dire par là c'est que je sais pas du tout où sont les objets et tout. Donc je vais un petit peu traîner je pense. On a fait quoi que je fais un donjon. Salopin. Oh bordel. Je vais me faire défoncer. Bon. Alors. Venir. Ça c'est le seul truc qui fait du gros dégâts. Défense on va dire. Voilà les défenses aussi parce que sinon c'est un massacre. Bon là ça fait contre une colonne mais après défense 0 mais on s'en fout dans l'arrière donc il va pas se faire attaquer logiquement. Sauf s'ils font des attaques un peu avec moi. J'aimerais bien qu'ils crevent pas ces deux persos quand même. Merde. Putain de merde. C'est pas grave. On va pas y arriver. Ah. Vous voyez pourquoi je voulais pas qu'il crève quoi, regardez. Regardez combien de niveaux il monte. Pas mal hein. Je le dis, ils se rattrapent vite hein, les uns les autres. C'est pour un faible niveau. Alors. Qu'est-ce qu'il y a un remède ici? Ouais. Donc, en même temps, je les ai mis devant en faisant un niveau à la con, mais bon, pas pour le choix. Merde. Du coup, il peut attaquer maintenant. Bah, lui qui a toujours un niveau de merde, je vais toujours le mettre en défense. Oh là 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 là. C'est lamentable.
esquive, c'est pas mal. Le bol, ils attaquent pas de ça. Défense 0. Du coup, ça sert à rien du tout. Faut faire une attaque normale. Bon, bah là, on a plus qu'à faire une mire une fois et on bourrine avec les autres. Voilà. Je vous ai dit, on lui pisse tout le temps ça. Quand on peut. Pas de problème. On va pas gêner. C'est gratuit. Voilà. Nous sommes à niveau 14. Ah, armure de cuivre. Alors, qu'est-ce que je vais donner? Ouais, c'est sympa comment c'est fait. Là, on a. Voilà. Bon ben ouais, je sais pas trop par où je vais là, mais... On va dire c'est le bon chemin quoi. Fait chier, ça se trouve, je joue plein de bons coffres. C'est dommage qu'il n'y ait pas de solution complète avec carrément la carte de chaque endroit et tout. Putain, bah j'ose pas imaginer quand il a une défense à 0 de ça. Hein. Parce que déjà quand il l'a en normal, il se prend des gros dégâts. Ok. Parfait. Ah, c'est une remise à niveau là. Une mise à jour. De fou. Oh putain, ils font chier la force. Alors. Putain, je vais un peu au pif, mais j'ai l'impression que je prends le bon chemin directement. Ce qui fait que du coup, ben... Du coup, je vais avoir aucun objet, quoi. Alors. Y'a rien par là. Ouais, j'ai l'impression que je prends directement le bon chemin là. Ouais, tant pis. Good, gentil. Sans dommage d'un ennemi, 50 enlevés. Voilà. Les objets qu'on utilisait souvent. La preuve. On va attaquer normalement. Tatou. Frier avec de la sauce barbecue, non, je peux pas. Allez hop. Ça devrait le faire. Vas-y. Ah mais du coup est-ce qu'il va attaquer les trois de devant ou pas? Ah bah ouais, ça les remplace aussi. Voilà, parfait. Oui, je vous dis, hein, autant les niveaux montent vite quand on est de faible niveau, après, ben, c'est tellement pas vite que on a envie de fuir tout le temps, quoi.
Ce qui d'ailleurs ne doit pas vous déranger vu que vous préférez quand même ne pas voir des combats toutes les 30 secondes, je pense. Et voilà, on est déjà arrivé. Ça va bien, hein. Bon. Ils sont à la bonne taille en tout cas. Allez, putain. Fais pas ta pute. Bon allez, on y va. Ouais, nique. C'est vraiment des cons de figurants. C'est ridicule. Poussez-vous, il vient me chercher du beurre. J'ai une tête de con, ça. Bon. L'intérieur de la... La tête d'attente est vachement proportionnelle à ce qu'on a vu dehors. Regardez qui voilà. On va chercher des beurres, ça se voit pas, putain. Attends, on va aller voir quoi c'est par là, les gars. Oh, non, je me casse. Donc là faut obligatoirement aller vers la forêt, il va devoir... Et des gardes. Donc... Il va falloir aller par autre part. On va le pousser. Bon, on va trouver la sortie pour l'instant, je pense. La place. Bon ben ok. Mais la ferme toi mec c'est putain. Ah oui c'est là-bas. Putain, j'ai du temps à trouver une putain de tente. Et là vous allez voir sur qui on va tomber. On vous connaissez pas encore. La famille royale. Je rappelle que le comment, le grand ennemi du jeu quoi. Enfin, c'est Lucas Blight hein, donc le prince. Et elle c'est la princesse donc c'est sa sœur quoi.
Pervers. Voilà. Maintenant, on va la buter, hein. Non, je déconne. Ouais, elle a un petit grain. Hein. Toi, des espions, vous du thé? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah oui, je suis con. C'est celle qu'il y avait dans la calèche là, avant qu'on se fasse exécuter entre guillemets. Fait, je réponds trop vite les réponses, je fais pas exprès, j'appuie sur X. Oh, t'es tranquille, l'appel est passé en fait. Non. On peut gêner. Quand t'es petit, mangeais des Legos. Non, je déconne. Sniffer la moitié. Ouais, allez, plus. Plus. Regarde mes vidéos, non, je déconne. Alors, voilà, on va sortir. Et là. Surprise. Allez, tu vas voir ce que ça fait. Du jeune ado qui s'entraîne. Tiens. Et pour finir. Comme ça, avec les runes là, on défonce comme on veut. Ça c'est bizarre, hein. C'est traduit comme de la merde en vous. Ah ouais? Pendant ce temps, je faisais des sandwichs. Bon, on a plus l'attaque de Morin maintenant, hein, pour attaquer tout le monde à la fois. Donc, on va brûler à la main. Enfin, brûler à la main. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Enfin, on va attaquer quoi. C'est quand même dingue que à 4, à 5, on soit moins efficace qu'à 2 quoi. Comme quoi l'union de Joey et du perso principal sont vraiment. Est vraiment puissante quoi.
Allez. On va pas se faire chier en fait. Anna, c'est un perso qui est pas mal parce que peut porter un bouclier. Et puis ouais, je dis peut porter un bouclier, hein. J'ai pas dit il ou elle parce que je me dis c'est un homme en fait. Je pense que c'est un homme, hein. Je sais pas. Ouais. De toute façon, il y a un moyen de le savoir plus tard dans le jeu si les persos sont des hommes ou des femmes. Et vous verrez plus tard. Putain, mais à chaque fois j'appuie sans... regarder. Allez, on se casse. Voilà, on sort automatiquement de la forêt. Ah bah, écoutez... Voilà, donc je vais vous quitter ici, donc que va-t-il se passer? Est-ce que Joey va revenir? Est-ce que je bouffe la prochaine vidéo? Donc vous le verrez ben, dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.